Un beau bonjour à toutes et tous. Voici en quelques mots ce que cet ange peut nous accorder et ensuite la prière à cet ange. L'ange numéro 45, Céalia. Ange gardien authentiquement solaire et de la même façon que l'énergie solaire purifie et vitalise toute chose, Céalia accorde santé et longue vie à tous ceux qui se trouvent sous sa protection. En invoquant cet ange gardien, vous pouvez espérer obtenir plus de force pour vous détacher des routines ou pensées trop structurées, afin de développer votre goût pour la découverte et de la connaissance. Céalia est l'ange à invoquer quand on se trouve dans le besoin. Il tend toujours la main aux plus modestes. Il vous protégera des personnes nocives et vous mettra à l'abri de la maladie. Si vous êtes porteur d'une maladie, il vous aidera à la combattre et vous donnera la force de lutter. Il vous permettra également d'équilibrer le corps et l'esprit. Si la personne est née dans un foyer pauvre, elle sera enrichie. Si elle est malade, Céalia peut la guérir immédiatement. Il faut prier cet ange qui, par sa force, donnera la santé aux malades, la fécondité aux stériles, les marginalisés, les dégradés, les humiliés, seront élevés, haut placés, et le grand espoir brillera dans tous les cœurs. Les protégés de cet ange gardien auront la possibilité de mener à bien toute leur impulsion intérieure. Tous leurs projets auront la possibilité de fleurir et de se concrétiser. En même temps, ces personnes stimuleront leur entourage. Elles sont comme des réveils, faits pour réveiller des enthousiasmes endormis. Prière à l'ange Céalia. Ange Céalia, je me sens mûr comme un soleil qui a besoin de répandre sa semence, sa graine sur le monde. Et tu dois m'aider à faire sortir de moi mes vertus, celles que tu m'accordes avec discernement. Que sorte de moi seulement ce qui est utile aux autres et au développement de l'œuvre divine. Fais, ange Céalia, que par moi puissent trouver leur plénitude ceux qui sont poussés par un désir ardent de servir, de se rendre utile. Préserve-moi cependant de tout excès. Que mes étés ne soient pas trop torrides, ni mes hivers trop froids. Permets-moi de toujours agir à l'unisson avec toi, avec le battement du cœur du monde, afin que la réussite que tu m'accorderas soit ta propre réussite et celle du maître du monde.
merci avec toute ma gratitude. Que l'amour et la lumière guident chacun de mes pas.